imaginer un village abandonné, isolé au bout d'une route désaffectée, barré par des barrières, gardé par des caméras et des détecteurs de mouvement. Nous sommes sur cette route, la route qui mène au village de Inunaki. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Inunaki est un petit village qui prospère grâce au commerce du bois. Mais en 1959, une crue ravage le village. Les habitations ainsi que le cimetière sont totalement ensevelis. Ce cimetière est un élément très important. Et pour comprendre pourquoi, nous devons revenir sur l'origine du nom du village. Inunaki signifie en japonais le cri du chien. Lorsque le village était encore jeune, on raconte qu'un homme accompagné de son chien qui voyageait dans les environs se sont perdus. Le chien se mit soudainement à hurler à la mort, sans s'arrêter, sans s'arrêter. Il hurlait, il hurlait, il hurlait. Ceci eut pour effet de rendre le maître du chien presque fou et dans un geste de violence absolue, il tua son chien d'un grand coup de masse sur la tête. Ce qu'il ne savait pas alors, c'est que le chien hurlait à la mort pour prévenir son maître d'un danger immédiat. Plus tard, les habitants du village, alertés par les cris du chien, découvrirent le corps de la bête et de l'homme. L'homme dont le corps avait été complètement déchiqueté par ce qui semblait être un monstre. Aujourd'hui, on parle même encore de dragon, tellement les blessures infligées au corps étaient spectaculaires. Le chien et son maître furent enterrés dans le cimetière du village, dans deux tombes côte à côte que l'on appelèrent les tombes du voyageur. On raconte que ces deux tombes étaient toutes les deux maudites et que personne n'osait s'en approcher dans le cimetière. On vient, je pense, de passer les barrières de sécurité. La route est en dessous de nous. On va descendre les derniers mètres qui restent de colline et on court sur la route pour s'éloigner de la barrière. Mais voilà, lorsque la crue ravagèrent le village et le cimetière, toutes les tombes furent mélangées et la malédiction se propagea à travers le village et tous les environs. À ce jour, on entend toujours beaucoup de légendes sur le lieu. Meurtres en série, animaux démoniaques. Toutes ces légendes sont basées sur des faits réels. La barrière et les mesures de protection prises pour protéger ce village, pour empêcher le visiteur de s'aventurer ici, sont prises justement car des animaux dangereux rôdent dans les parages. On parle d'ours, de sangliers, de serpents. Et tous les environs sont piégés. Mais on dit aussi qu'au moins encore un habitant est resté seul dans le village. Un habitant qui pourrait avoir perdu la raison. C'est cette route et ce village que nous allons découvrir ensemble. Pigs. On est déjà bloqué entre parenthèses par des bruits qui semblent être des bruits de cochons sauvages, dangereux s'il y a des petits dans la portée. They're coming closer. Something's coming.